Direction les États-Unis, le ministre de la Justice Jeff Sessions a démissionné de son poste au lendemain des élections de mi-mandat. Sessions l'a annoncé dans une lettre au président Donald Trump, indiquant qu'il a déposé sa démission à la demande du président. L'ancien sénateur d'Alabama avait apporté son soutien à la candidature présidentielle de Donald Trump en 2016, à une époque où personne ne misait gros sur le magnat des affaires. Il fut l'un des premiers nommés au cabinet de Trump, mais leur relation s'est détériorée après que Jeff Sessions se soit récusé de l'enquête sur la possible coordination entre la campagne de Trump et la Russie, ce qui avait provoqué la nomination du procureur spécial Robert Mueller. Dans une série de tweets, Donald Trump a qualifié Sessions de procureur général troublé, le critiquant de ne pas avoir ouvert une enquête sur la candidate démocrate Hillary Clinton. Donald Trump a annoncé dans un autre tweet que Matthew Whitaker, directeur de cabinet de Sessions et ancien procureur général d'Iowa, allait devenir ministre de la Justice par intérim.